Bien sûr, bien sûr. C'est parti! Petite musique d'ambiance. Un petit jazz familial. Qui va être coupé par le changement de source sur mon écran. Et qui va reprendre juste maintenant. Go! Ok. Alors, messieurs, dames, avant de reprendre sur Bowser's Fury, je vais vous dire où est-ce qu'on en était à peu près, parce que effectivement, ça commence à dater. Donc, Bowser's Fury, moi, j'ai testé le jeu pour la première fois le jour de la sortie. Il est sorti avec Super Mario 3D World. Donc, Super Mario 3D World, c'était le jeu qui était disponible sur Wii U, qu'ils ont ressorti sur Switch parce que la Wii U, vous le savez, c'est mal vendu. Du coup, c'est quand même chiant que certains jeux se soient très mal vendus parce que la console était mal vendue. Donc, on va les ressortir sur Switch. Ok, ça fait recyclage, mais en même temps, la plupart des gens seront contents parce qu'ils n'avaient pas la Wii U. Alors, autant le faire. Ça, c'est la stratégie de Nintendo depuis quelques années, depuis la sortie de la Switch. Ça peut s'entendre. Là où ça fait plaisir pour la sortie de Super Mario 3D World, c'est qu'ils ont accompagné cette sortie de Bowser's Fury, qui pour le coup est un jeu inédit de la Switch. C'est un petit peu... c'est une deuxième aventure, en plus de Super Mario 3D World. Une aventure qui est beaucoup plus courte, attention. C'est une aventure qui, d'après ce que j'ai vu, dure entre 5-10 heures. 15 heures pour le 100%, donc c'est quand même assez court. On a commencé ça pour la première fois le jour de la sortie. Je sais plus la date de la sortie, je sais plus exactement, mais c'est ce jour-là où on a joué pour la première fois. Et donc, en fait, pour ceux qui se posent la question, si vraiment vous êtes curieux, un petit instant, je vais vous retrouver la vidéo. Voilà, elle est là. Hop là, la vidéo est là, messieurs, dames. Hop, petit pouce bleu, je m'étais même pas mis de pouce bleu. Hop, la vidéo est là, si vous êtes curieux. Toute la rediff, on a donc joué, on va dire, 1h15, à peu près. 1h15, je vous mets la vidéo dans le chat si vous êtes curieux pour plus tard ou autre. Mais on a testé le jeu pendant 1h15. Donc, il nous reste, on va dire, entre 4h et 9h de jeu, quoi. Oui, il y a le Bob. Il y a le Bob, bien sûr. La gueule que j'ai. Il y a le Bob, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Mais voilà. Faut mettre le Bob. Oh, si j'ai du mal, on mettra le Bob. On verra. On verra si j'ai du mal. Par contre, je me tâte sur le fond vert. Je me tâte sur le fond vert. Ça peut être une idée en vrai, ce fond vert. Hein. Merci Camille pour le quatrième mois. Merci beaucoup. T'avais prévu de rejouer Animal Crossing, c'est toujours au programme. Ça dépend. En vrai, j'ai pas grand chose à faire. Il y a juste une île qu'on a découvert la dernière fois avec Ultia. On a découvert une île sur le thème de la Provence. J'aimerais bien visiter ça, tu vois. Par exemple. Merci à Ripo de Fleur aussi pour le troisième mois. Merci Mr. Drift pour les 100 bits. J'ai grave step up sur la goutte, en tout cas, je fais bien chier ma sœur avec, merci. Ok. Je pars en fond vert, du coup. Je pars en fond vert, je vais partir là-dessus, je pense. Ah non ? Ah ? Ok. Je pars en fond vert, non ? Ah bah. Ok. Yes. Ah. O-U-Y. Excusez-moi. Voilà. Il y avait vraiment écrit sponsorisé par EA. Ah ouais? Mais merde. Il est où? Non, ça c'est 4. Ah ouais? Merde. Il est où? Attendez, faut que je le vire. Il y a toujours. Ah ouais, putain, j'avais pas vu. J'avoue, boum. Ok, c'est bon. C'est viré. Ah, j'avais pas prévu de me faire un petit fond vert, mais let's go. Vas-y, let's go, let's go, let's go, fond vert. C'est parti. Boum, je me mets là. Hein. Voilà, c'est bien. Il y est toujours... Non, il y est plus, là. Il y est plus. Sponso par EA. Ah, c'est Bowser's Fury, c'est développé par EA. Édité par EA. Voilà.
Quand Ponce a pas dopé Nintendo, il sponsor ses lives sur des jeux Nintendo pariés. Le scandale. Le scandale du type. Excusez-moi, hein, je mets hop ça, hop, tac, et boum. Boum. Et voilà. Oh bah, je pense qu'on est bien là. C'est au top. Très propre. Très clean. Très très clean. Alors, avant de repartir dessus, merci Mamène. Merci Mamène pour le troisième mois d'abonnement. Alors, avant de repartir dessus, je voulais vous dire donc que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de Super Mario, enfin de Mario 3D. Ça fait genre 2-3 semaines parce qu'il y a It Takes Two. Cette semaine, mercredi, on continue It Takes Two avec Ultia. Je ne sais pas si on va le terminer la session de demain. On verra. Mais sachez qu'après Bowser's Fury, il y aura Super Mario Odyssey. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Pidim-poum. On est parti ? Elle est petite, la cam. Elle est petite, je peux l'agrandir si vous voulez. Hein. Je peux tout à fait faire ça si vous voulez. Oui, je peux faire ça. Oui, je peux tout à fait faire ça. Merci The Bill pour le 12e mois, merci beaucoup. C'est parti! On va pas faire nouvelle partie, on va reprendre. Si jamais vous voulez voir ma première heure de jeu, je vous invite à mater la rediff qui est disponible sur Ponce Replay. Là, on va reprendre, bien sûr. Tu comptes faire toutes les lunes sur Odyssée? Ouais, je pense qu'on fera le 100% de Odyssée, en vrai. Je pense. Carrément. Puis-je réveiller une seule fleur de l'ombre? Non, c'est impossible. Les fleurs de l'ombre, c'est soit on les réveille toutes, soit on réveille personne, les fleurs de l'ombre. Bah tiens, bah voilà, je les réveille. Les fleurs de l'ombre, donc c'est toutes ces fleurs qui regardent le live, mais en fond, waouh! Mais juste en fond sonore, souvent, hein, pas vraiment sur l'ordi ou quoi que ce soit, mais voilà, télétravail, chill sur un jeu, tout est possible au niveau de l'ombre. Bonjour à vous, les fleurs de l'ombre. On bosse. Eh bah, bon courage pour tous les gens qui sont en train de bosser. Merci Midriaz pour le subgift. Merci Mishmish pour le quatrième mois. Merci à vous. On se fait attaquer par les fleurs de l'ombre. Oh, c'est pas désagréable, hein? Messieurs, dames, nous voilà donc sur Bowser's Fury. Donc le but, c'est récupérer, bien sûr, les astres félins. Et là, il me faut une clé pour récupérer ça. Alors attendez, je suis perdu, donc on va un peu se perdre. Hein. On va continuer à se perdre. Je pense. Genre là, faut que je récupère une clé pour aller chercher ça. La clé est où? Elle a un rapport avec là-haut ou pas d'ailleurs? On va voir. Aujourd'hui, je suis dans l'ombre. Alors, il faut déjà que je me rappelle parce que là... Oh pardon. Il y avait des chats très mignons mais un peu chiants aussi. Un peu méchant parfois. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Bon, là, il y a un chat qui me fait un câlin. Mais alors, il a l'air gentil comme ça, il a l'air mignon. Oui, bah, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez comprendre. Il est très mignon, mais vous allez comprendre très très vite au bout d'un moment. Ok. Ah mais elle est là la clé. Bah elle est juste là en fait. Ah je dois la porter. Ok, je vais prendre le petit cut ici. Hop. Let's go. La clé pour l'astre félin en cage. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc ça débloque ça. C'est énorme. Et j'ai donc 18 astres félins. Le jeu est un peu fort, non? Au niveau de la musique. Le son du jeu est un peu fort. Alors maintenant que j'ai le... Alors en fait, normalement, maintenant j'ai quelque chose sur mon micro qui fait que ça réduit un petit peu le son qu'il y a autour de... Merde!
qu'il y a autour de moi, donc normalement vous m'entendez bien quand je parle quand même, même si c'est un peu fort. Non ? C'est-à-dire que oui, il y a de l'ambiance, mais normalement vous m'entendez bien, quoi. Je peux Je baisse quand même un tout petit peu. Merde. J'ai quand même baissé un tout petit peu histoire de, mais... Alors. Alors. Ok. Donc là, c'est Bowser qui nous attaque. C'est très particulier, hein, Bowser qui nous attaque. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça toute... toute l'histoire. Il me faut 20... 20... 20 soleils pour réveiller la giga cloche. La giga cloche, c'est ce que vous voyez ici. Hop. Et en fait, avec la giga cloche, je peux me transformer en giga chat. Et en étant giga chat, je peux me battre contre le méchant Bowser. Voilà. Voilà comment ça fonctionne, messieurs, dames. Sauf que là, je peux pas. Du coup, je suis un peu ruiné. Je vais mourir. Non, tout va bien, je me protège. Je vais prendre un chat, je pense, d'ailleurs. Merci. Il est où? Il est là. En vrai, je peux pas faire grand-chose, là, je crois. Si j'ouvre la carte, juste... Ouais, c'est un open world. La giga cloche est toujours là, bien sûr. Est-ce qu'il y a la liste? Ah oui, là, j'ai les 5. Là, j'ai les 5. Et là, j'ai les 5. Et là, j'en ai 1. Et là, j'en ai 1. Mais ça fait 17 en tout. J'en ai pas 18. J'en ai eu un là? Non. Ils me disent que j'en ai 18. Ah non. Excusez-moi. Au tout début, il y en a eu un, ouais. Au tout début, il y en a eu un. Donc j'en ai effectivement 18, il en faut 20 pour activer la cloche là. Donc je peux pas encore. L'OST du combat avec Bowser est giga lourde. Oui, elle est vraiment bien. Ok, il repart. Non, il m'attaque. Je sais pas ce qu'il fait. Je me protège parce que je peux pas faire grand chose en fait. Ok, voilà. Il repart. Parfait. Donc là, si vous avez bien compris, le but, c'est débloquer des astres félins pour pouvoir se transformer, pour pouvoir le battre. Donc il faut les chercher. Oh, venez, je teste un truc. Venez, on va plus loin. J'y suis jamais allé. Hein. Ça, c'est ma monture. C'est ma petite monture. C'est Plessis, le sang de la veine. Ok. Ok. Je suis jamais allé ici, hein. Donc en fait, ce qui est marrant avec ce jeu, je trouve, c'est que c'est un Mario 3D, mais un peu en open world. C'est-à-dire qu'en fait, les niveaux qu'on va faire sont... Il n'y a pas de chargement ou quoi, les niveaux sont là, quoi. C'est ce que je veux te dire. Et donc, faut les chercher aussi. Donc il y a un peu de découverte, un peu de recherche, pas mal de liberté. Ok, qu'est-ce qui se passe ? Le jeu a combien d'heures de temps de vie? Entre 5 et 10 heures, donc c'est très court. Et 15 heures pour le 100%. Qu'est-ce que c'est ça? Glissade des gamelles. Donc vous voyez, c'est ça, c'est un open world avec plein de mini-jeux, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, faut aller chercher là-haut. Ah bah attends. Merde! J'ai voulu tenter un truc, j'aurais jamais... Si, je peux tenter. Oh, venez, je m'amuse. Ok, je sais ce que je vais faire. Je tente un truc. Mais ça fait quoi? Non, parce qu'il s'est rien passé, du coup. Ah ouais, comme vous pouvez voir, en fait, on ramasse des items qu'on conserve en bas à gauche. Ce qui fait qu'on a... On a un peu tout le temps des items, etc.
Ok, il faut que j'en récupère 5. Regardez en bas. Faut que j'en récupère 5 des comme ça. J'en ai 1 sur 5. Bon bah go hein. C'est parti. Oh là, ça marche comment? Je vais sauter? Ouais. J'ai. Oh, je l'ai raté. Oh, je l'ai raté. Waouh, waouh, waouh. Oh, je l'ai raté. Faut sauter ou pas? Oh, je l'ai eu. Ok, go. On continue. On saute. Est-ce qu'il fallait sauter? Je ne sais pas. Si, il y en a un là. Ok. Il y a forcément des trucs de l'autre côté, non? Ouais, en un T. Attendez, on va le refaire en un T. Ok, ça sert à rien. À part me mettre dans une merde. Ok, c'est bon. Astrophelin gagné. Donc 19. J'ai bien fait d'aller là, je pense, pour aller chercher les ceux que j'avais pas, je pense. Ça a changé Mario, mais c'est trop bien. C'est trop trop bien. Justement, moi j'ai l'impression... Alors, je me trompe peut-être complètement. Ah mais là j'en ai un deuxième. Oh bah j'en ai 20. J'ai un peu l'impression que c'était un terrain d'expérimentation, ce qu'ils ont fait là avec ce jeu assez court qu'ils ont rajouté à Super Mario 3D World. Et moi j'imagine bien en vrai un Mario comme ça avec une durée de vie assez longue. Assez longue, j'entends au moins 35 heures. Ce serait énorme. Une plus grande map. Plus de défis, plus de choses comme ça, ce serait incroyable. Un message émanant de la giga-cloche se met à résonner. Quand la bête se réveillera, je m'éveillerai aussi. Oui, bah compte sur... Oui, je serai là, t'inquiète. Ça s'appelle Mario Odyssey. Ah, pas exactement. Oui, un peu, mais pas exactement en vrai. C'est pas exactement la même chose. Ah, d'ailleurs, attendez, je peux aller là-bas avec Plessy. Je vais aller voir ça. Je vais voir ça. Je vais aller voir ça, je vais descendre par là. Regardez-moi cette liberté, c'est magnifique. Merci un petit cham pour le 8e mois. Salut Ponge, je regarde à ta fenêtre, je suis là. En fait, non, mais vérifie quand même, on sait jamais. Ça fait bâter. Merci un petit cham. Merci Airfug aussi pour le 5e mois. Merci Orianwell pour le subgift. Inishiro pour le 4e mois. La pêche? Merci pour l'abonnement aussi, bienvenue. Merci pour l'abonnement, bienvenue. Le grand Natalou, merci pour l'abonnement. Attendez, ça vibre. Vous entendez? C'est Bowser qui va arriver. Non. Ah, c'est beaucoup trop haut. Oh, Bowser, il va arriver. Ah, je peux remonter par là. Ok, faut que je trace. Faut que j'aille à la giga cloche pour que je me transforme en giga chat pour que je puisse giga exploser giga Bowser. Merci Choice aussi pour le 3e mois. Merci à Keon pour le 10e mois. Chizora pour le Prime, merci beaucoup. Merci à tous. Allez, faut que je sois giga cool. Et faut que je giga réussisse ma giga mission. Oh putain. C'est un giga bon programme. Regardez les chats. Regardez les chats, ils deviennent complètement maléfiques là, ils font peur. Alors c'est quoi ici? Il y a la giga cloche. Je sais pas si vous avez déjà vu SNK, c'est la saison 5. Alors, on se retrouve face à Bowser, je sais plus exactement quelles sont mes capacités, mais quoi qu'il arrive, messieurs, dames, ça s'agueillot. Oula, t'es sérieux, mec? Attends, il est où? What? Mais t'es où? Aïe, ok, mais mec, mais attends, mais oh. Comment je peux faire, là?
Il est où? Il est là. Il va me cracher dessus. Je vais essayer de l'atteindre. Ah mais non, mais je peux pas. Mais quoi? Mais... Bon, je vais mourir. Voilà. Pardon. Ok. Oh, y a une giga cloche de giga chat là. Ah oui. Ok. Quel combat exceptionnel! Alors vous voyez, les FPS sont un peu en galère. Oh putain. Ok. C'est-à-dire que... Ah, je peux porter ça? Ah non, oh merde, ah merde, ok. Je peux porter? Encore? Y'en a pas d'autre? Si, là-bas. Merde. Pardon. C'était ça que je voulais faire. Excusez-moi. Fin. C'est la fin de ce let's play. C'était énorme. Un peu long. Mais quand même énorme. Non, messieurs, dames, c'est pas du tout fini. C'était une blague. C'est pas... Non, c'est pas du tout terminé. Pas du tout terminé. C'est juste que ça a grandi la map, je crois. Bowser Jr. semble vouloir dire autre chose. Oh non, j'espérais vraiment qu'il reviendrait normal cette fois. Bon, fallait s'y attendre, hein. Personne ne résiste mieux au coup de Mario que mon paponnet, après tout. Allez. Cherche un moyen d'escalader cette cascade pour trouver d'autres astres félins, s'il te plaît. Mario, s'il te plaît. Mario, regarde le petit tableau que j'ai fait avec le point d'exclamation, tu l'aimes bien ou pas? Il est pour toi, c'est cadeau. Voilà, ça agrandit la map. Ah oui, d'accord, ok. Ah, ça, un véritable open world, messieurs, dames. En vrai, c'est vrai. Véritable open world, exceptionnel. Bah écoutez, je vais continuer. Ah, on a raté. Ok, on a raté un astre céleste ici. On va revenir alors. Ah ouais, il est où? Bah on va revenir avec Plessis, je pense, directement. Attendez, c'est quoi? Putain, j'ai envie de tout faire en fait. En fait, c'est ça, j'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions énorme. Non. Oh oui! Ok. Bon, c'est un parc d'attraction de merde, ok? Ok. Mais quoi? Attends, il y avait quoi là? Il y a aucun bouton qui marche? Oui, ok, là tu sautes. Ah! Qu'est-ce qu'il fait? Mais j'ai rien fait. Attends, je comprends. Je comprends pas du tout. Mais pourquoi là? Ah, ça a marché là! Faut juste charger, lâcher. Mais c'est ce que je faisais! Mais quoi? Lâcher, c'est tout.
Bah ça marchait pas là. Là je charge. Et je la... Ok, je vous jure que ça marche pas depuis tout à l'heure. Oh la dinguerie. Bon, ok. Je sais pas à quoi ça sert. Ok, parcours. Putain, mais c'est un vrai parc d'attraction. Il est pas mal le jeu, hein. Honnêtement, il est pas mal. Moi, tu me proposes un jeu comme ça avec une durée de vie de genre 50 heures. Je pense que c'est du... Je pense que c'est du 100% de mon côté, hein. Ok. Oh, 20 secondes. Sérieux? L'astre félin a été gagné, messieurs, dames. Propre. Il me faut 40 pour réveiller la prochaine gigacloche. Attendez, voyons la map. Mais j'ai jamais fait ça. Jamais fait cette île. On y va. C'est parti. Let's fucking go. Attends. Mais c'est bleu. On va voir. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Ah. Ah, let's go. Ah oui, d'accord, c'est... Ok. Ah j'ai... Ah non, mais je savais pas que j'allais avoir le temps. Ok. Je suis un chat. Go. Vite, 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 vite. Ok, ça se fait easy. Plessis le sang. Ah bah oui, de ouf. Plessis vraiment le sang. Merci Barba Poilu pour le 6e mois. Merci Wakostar pour l'abonnement. Ryzen pour le Prime. Willy pour le 4e mois. Chagon pour le 3e mois. Pierouris pardon, pour le 9e mois. Riddick pour le 2e mois. Et Popskill. Popscale, merci pour le 4e mois. Merci beaucoup. Ok. Et donc c'est celle-là, l'île bonus? Ah oui, ok. Ah oui, d'accord, ok. Pompon, je commence à travailler au McDo dans 2 heures. Tu aurais un conseil à me donner au vu de ton expérience au sein de cette multinationale? En vrai, quand t'as droit à un repas, hésite pas à prendre le maximum. C'est le seul conseil que je peux te donner. Prends tout ce qu'il y a à dispo. Quand tu te fais un McFlurry, mets-toi beaucoup de caramel. Beaucoup de caramel. Après moi, j'ai du mal à parler de mon expérience McDo parce que en vrai, elle a été plutôt très bonne. C'est-à-dire que j'ai passé des très bons mois à McDo, je m'entendais bien avec toute l'équipe. Attendez, il y a des trucs à faire là. Okay. J'avais une super équipe. D'ailleurs, faut savoir que mon manager de l'époque, c'est une fleur. Si un jour vous voyez par exemple un certain Luigi's, ah, ça l'a pas pris, pardon. Si un jour vous voyez un certain Luigi's dans le chat, eh bien sachez que c'était mon manager. Voilà. Voilà, voilà. Et on jouait à WoW ensemble à l'époque. On parle de ça, c'est du 2012. Ah merde, je croyais que j'étais un chat. Ok, bah là, on n'est pas dans la merde, hein. Ouais. Ok. Ah non, je perds toutes mes thunes. Ah non, pas tout. Ok. Mario Sunshine vibes, un peu. Un peu. Je vais me remettre en chat du coup. Ce level est très chaud. Ah ouais, sérieux? Déjà? Ok. Je me mets ici. Alors, ça va me redonner, mais je veux pas ça.
Je veux pas ça, je veux le chat. Hop. J'aime bien le côté gestion d'items et tout. Putain. Ok. Ah, oh, pardon. Ah ouais, c'est vraiment... Ah, tu... ah oui, d'accord, c'est la mort instantanée. Ok. En gros, tu commences par la fin. Ah, je commence par la fin, là ? Attendez. On va étudier, vous avez raison. On va étudier. Non, 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 c'est parfait. Donc là... Là... Et après, on monte... Affolé. Oh, ah ouais, c'est chaud. Oh non. Mais attendez, il faut voir si on n'a pas ici, dans la première partie de la plateforme, du coup. Parce que si j'en rate un, j'avoue, je serais un peu deg. Ah, d'accord. Donc là, je suis sur le niveau de la fin. C'est ça que vous venez de me dire? Là, ça, c'est le niveau de la fin. Ah, c'est ça, ok. Et qu'est-ce que je fous là, du coup? Oh, c'est parfait. C'est un open world. Bah ouais, c'est un open world. Je vais où je veux finalement. Écoutez, je vais rester sur le Tanuki. Ici. Je fais ça et je me déplace ici. Ok. Je prends le Tanuki. On va essayer, ça peut être bien. Au moins pour t'imposer ces phases-là. Ah merde. Ok. Est-ce que je peux passer là-bas? Non, je pense pas là. Là, ça passe. Là, ça va être parfait. Ok, là, c'est bon. Je vais... Tranquille, on va pas se précipiter, messieurs, dames. On va pas se précipiter. Oula, la 3D. Oula, la 3D. Ok, on est obligé de faire le tour parce que du coup, il y a... Oh non. J'avais même pas vu qu'il y en avait un à la base. Oh, c'est un banger. Ce niveau est énorme. Ce niveau est vraiment énorme. Ok, on y retourne. La définition de courir à sa perte. Merci Feu Follet. Merci pour le quatrième mois. Je pratique l'abonnage parce que tu es simplement trop beau, mec. Ok, pour mon physique, quoi, en question. Ok. Je prends ça, on y va. Après, faudrait peut-être que j'arrive à switch avec, avec le chat. Quand je peux escalader, je pense. Oula. C'est ce moment en fait qui est infâme. Je me mets là. Il va être là bientôt, non? Je me rappelle plus. Ah, il est là. Donc là, je peux faire un. Ok. Et là, je peux faire un. Super. J'espère qu'il y en avait qu'un. Nice. Je peux peut-être jouer avec ça. Ah non. Si. Nice. Et ben voilà! Ah merde! C'est la deuxième que j'ai récup. Ok. Oh le pire move! Attendez, elle est où? Merde, je la vois plus!
Attendez, quoi? Attendez, je vais pas prendre de risque. Je la vois plus. Je la vois pas. Hein. Hop. Elle est au-dessus là? Ou pas? Non? Ah non. Pourquoi je la vois plus? Merde. Au pire, je tourne sur le... Parce qu'il est sur la première partie, non? Merde, mais je le vois plus! Good luck pour celle-là, elle est hardcore attrapée. Mais c'est la première en plus qu'elle angoisse. Putain, j'étais mieux de l'autre côté, je crois. Je crois que j'étais plus à l'aise de l'autre côté. Mais je crois pas qu'elle soit sur une partie mobile, hein. Enfin, c'est même sûr... Elle est pas sur une partie mobile, je sais pas où elle est. Si j'arrive à monter là, non. Ok, d'accord. Non. Non. Ok, ok, bon. Oh oui! C'est dur. C'est vraiment très dur. Ok, c'est bon. Il fait chaud. Il fait très très chaud. Oh non. Oh non, il y a l'autre qui arrive. Pas maintenant. Oh non. Oh merde. Oh la chianteur. Oh non. Oh pas maintenant. Le timing est à chier, putain. Non, 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 ok. Aucune pression. Aucune pression. Ok, super. Honnêtement, on est vraiment très 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 bien. Ah putain. Comment je fais pour monter? Oh bah oui, bah, tu m'étonnes. Comment je fais pour monter? Est-ce que je peux... Oh non. J'avais 4 sur 5, ah, ça fait mal! Ouah, le hard mode, ouais. Ah oui. Putain, si je fais trop... En fait, si je fais trop tôt mon saut comme ça, regardez. Ça fait ça, ou ça fait... Ça, putain, je suis deck. Elle était où, la dernière? Elle était là? Ok. Tu les conserves en mourant? Et non, justement. Et du coup... Ah, tu les gardes? Sérieux? Ah, je les ai toujours? Ah putain, j'avoue! Ah oh, bah go alors! Ah pardon! Je croyais que je les... Ah bah je croyais que je les... Ah, je croyais que je les perdais. Ah oh, go! J'avais pas vu, effectivement. Trop bien. Ok, on est reparti. Hein. On n'a pas de temps à perdre. Boum, 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 boum. Oh, j'ai failli mourir. Ok, on enchaîne.
Oh, ça fait plaisir de reprendre un petit Mario 3D là. Oula. Ok. La petite bombe. La petite bombe ici qu'on prend et qu'on lance la... Bah, et qui détruit ce qu'on veut quand même, ok. Il donne quoi là? Ah. 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 S'il vous plaît, les fleurs, à quoi servent les pièces? J'ai du mal à comprendre. Je pense que... Alors, j'avoue, j'ai pas l'info sûre, mais je pense que comme... Comme tous les Mario, 100 pièces te donnent une vie, j'imagine, tu vois. J'imagine, hein. Putain, elle est là. Enfin, ça donne un champi. Je pense que là, ça donne un champi, parce qu'il n'y a pas de vie, du coup. Ça donne un champi, ouais. Je pense. Bah, c'est 50, alors, peut-être. Franchement, aucune idée. Je sais pas exactement. On verra. Wow. Ok. Ah non, 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 le saut de trop. À chaque fois je retombe à zéro, ça fait si mal. Je pense que le switch en chat était pas mal. Quand est-ce que tu vas faire Super Mario Odyssey après? Ce sera, je pense, Super Mario Odyssey, ce sera tous les mercredis à partir de soit semaine pro, soit dans deux semaines. Voilà. À peu près. Merci Starshine pour le deuxième mois aussi, merci Bonne pour le 13e mois, merci Quentin pour le 5e mois, merci Runban pour le deuxième mois et Ismore pour le 4e mois, merci à vous. Merci beaucoup. T'as déjà joué à Odyssey? J'ai joué une dizaine d'heures à Odyssey, et en gros je m'étais, j'avais arrêté, donc Odyssey qui est sorti si je dis pas de bêtises en octobre 2017, et en gros j'avais arrêté de jouer à Odyssey parce que je m'ennuyais sur le jeu, parce que je trouvais que c'était un peu du farm et tout, j'arrivais pas trop à prendre mon kiff. Je trouvais que c'était un peu du farm de lune, t'enchaînais les lunes et boum, et t'enchaînais, et j'étais moins fan. Écoutez, on va voir ce que ça fait aujourd'hui. On va voir, après avoir fait tous les Mario 3D, on va voir si je trouve des sensations particulières supplémentaires. On verra. On verra, on verra. Mais j'ai quand même très très hâte, parce que le jeu, par contre, je trouvais le jeu absolument magnifique. Donc, déjà, se balader sur un jeu qu'on trouve beau, en soi, c'est agréable. Donc déjà, il y a au moins ça, quoi. Du farm dans un Mario. Ouais, dans le sens... alors, farm dans le sens, tu enchaînes les lunes, et c'est plus le fait de trouver et avoir les lunes qui comptent plutôt que réussir des niveaux, quoi. En gros, c'était ça, la sensation que j'avais. Voilà. Mais mon jugement date de 2017, donc mon jugement, en vrai, il a quasi 4 ans. Il peut tout à fait être modifié. Et je n'attends que ça, d'ailleurs, qu'il soit modifié. Ok. Alors. Oh, d'accord. Un peu moins de chance encore, si possible. Alors. Le chat. Pour pouvoir escalader ça. Voilà, escalader ça. Passer là. Escalader ça. Ah non, il n'y a pas besoin. Ah bah si, il y aura besoin, je pense. Oh, mais par contre, lui... Putain, j'arrive pas à l'avoir. Ah! Il était là, hein. Je l'ai vu, mais c'est... Ah, je vois rien! Ok. Donc... Ok. Il y en a encore un là. Ah oui, tout en haut. C'est pas tout à fait fini, ok. Là, il va falloir, je pense, grimper. Pré-grimper même. Ah!
Wow. Par contre, j'arrive pas à le tuer, lui. C'est assez impressionnant. Il m'embête, hein. Oh non. Non, please. Déjà ? Oh non, s'il te plaît. Au pire, j'ai chopé, c'est le dernier niveau en gros là. Au pire, j'ai chopé ce que j'avais à choper là. Je continue à visiter, on retournera ici après. C'est ce que je vais faire, je pense. Plessis ? Ah non, Plessis. Ah. Go choper la dernière. Non mais on l'aura la dernière, vous en faites pas. Pourquoi ? Bah parce que la map, regardez. Parce qu'en gros, moi j'ai fait ça. Là, on a commencé ça. Il y a encore tout ça à faire, tout ça. Tout ça. Et ça, c'est censé être l'île finale. Que j'ai fait sans faire exprès, parce que c'est un open world et on va où on veut. Et donc du coup, je me dis, on a déjà bien profité de cette île qui est censée être la dernière. Autant repartir, continuer à explorer. J'ai quand même beaucoup de choses à faire. Hein. Continuer à explorer ici et on reviendra ici après. Enfin, pour varier les plaisirs, en fait. Purement et simplement. On va aller là, ouais. Ok. Oh, c'est quoi ça? Sérieux? Ok. C'est pas l'île finale du tout. Oh. Bah tant mieux. En vrai, si c'est pas l'île finale, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas obligé de la faire maintenant. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ça? Je retourne là. Et il m'en faut 40 pour libérer celle-là. Ok, donc c'est absolument pas possible ici. Oh, j'allais me protéger derrière, mais je suis arrivé trop tard. Il va repartir normalement. Je pouvais pas le combattre. Hein. Plessis. Non, Plessis est incroyable. Plessis, regardez. Et voilà. Plessis est incroyable. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Il a perdu son enfant. Trois enfants? Vous avez perdu trois enfants? Oh l'angoisse. Ah bah il y en a un qui est là. Alors non, pardon. Je veux voir comment on fait pour changer les items qu'on a. Merde, je voulais pas faire ça. Comment on change l'ordre des items? Je voulais pas me transformer en chat à la base. Ah merde, tu sais pas. Attends, viens. Viens. Ah, faut rester appuyé, ok. Attends, montre. Ah non, merde. Non, je crois qu'on peut pas. Voilà. Reste appuyé longtemps. Là, je suis resté appuyé. Hein. Encore plus longtemps? Bah non, ça sort instant. Non, vraiment, ça marche pas. Flèche de droite et de gauche. Bah non, ça m'ouvre la map. C'est trop bizarre. Ah, c'est l'inverse. Merde. Il faut appuyer qu'une fois, en fait. En fait, ok. Ok, c'est tout l'inverse. Il faut juste appuyer très court. Trop bizarre. On va voir ce qu'il y a là-bas. Ah, ça, il faut que je le fasse détruire par Bowser. Ok, si Bowser nous réattaque, il faut qu'on détruise ça. Il faut qu'on détruise ça aussi là-bas, regardez. Ok, donc parfait, on explore bien. Donc là, un truc que Bowser va détruire. Un truc ici que Bowser va détruire aussi. Hop. Ah, il y a un truc là aussi, putain, j'avais pas vu.
L'étoile abandonnée. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous parlez d'une étoile abandonnée? Non, mais vous en faites pas, on récupérera tout quoi qu'il arrive. Vous en faites pas. Qu'est-ce que je fous? Ah bon? D'accord. Ok. Ok, petit bonus, sympa. Bon, pas très dur, hein. J'ai raté le dernier anneau. Ok. Ok, c'est tout. Il y avait pas d'étoile ou quoi? C'est quoi ça? Pauvre maman chat. Mais non, mais on va l'aider, vous en faites pas. On l'aide. Qu'est-ce que c'est? Ok. Mais elle est passée où cette étoile? Je cherche deux chats. Ah. La déception. Je croyais que j'allais avoir un chat ou quoi. Ok, je reprends le chat du coup. Quoique après j'ai plus de chat. Non. Je vais mettre ça. Ok. Pour conserver le chat. Vous pensez qu'ils sont loin les chats? Mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un nouvel endroit, donc c'est pas ça, je crois. Combat contre le boum boum chat. Ok, dans le Colisée, ok. Ah, sympa. Un échange de bons procédés en vrai. C'est quoi là-bas? Putain, mais j'ai envie de tout voyager. Enfin, de tout. De voyager partout, de tout voir. C'est infernal. Genre, ça, c'est quoi là? Je peux m'accrocher pour m'envoyer, ouais. Mais au final, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'il faut foutre? Ah, il y a un truc en or là-bas. Je vais aller le chercher. Le slow run du joueur français. Ah bah là, en vrai, c'est un jeu pour moi. Hein. Ça me régale. Merde. Oh, on est juste sur du bénéf. Ah, bénéf terminé. Ok. Je peux jouer plusieurs fois? Par exemple, si je... Ah non. Ok, je sais où je vais aller. Pessy. Plessy, pardon. Françoise, viens ici. Ok. Il attaque. Françoise. Merci d'ailleurs TTDEC pour l'abonnement. Merci à Baba pour le 13e mois et merci à Baku pour les 500 bits. J'étais assez dubitatif du jeu mais tu m'as donné envie de le faire avec un pote et franchement pas de regret. Ah ouais, il est vraiment bien Baku. Hein.
Ok. Alors, voilà. Il est où? Il est... Il faut qu'il tire là. Moi, je me protège pas du tout. C'est bon. Il a au moins tiré là. J'ai récupéré... Et ben voilà. Parfait. Démolition des blocs de fureur. Parfait. Et j'avais autre chose... Ah oui. Et il repart maintenant ? Ok, il repart déjà. Il repart quand il détruit un truc ? Le phare, il a fait... Ouais, le phare qu'il a fait fuir. Mais j'ai les 5 du phare, là ? Je sais plus où j'en suis. J'ai les 5 du phare, là ? Oh non, la déception, il y a une bordure là. Oh non. Oh, je pensais que j'allais... Ok. Oh, pour aller au phare, tu... Non, je dois tout refaire là-bas. Non, c'est... Sérieux? Ah non, il y a ça. Ah non, il y a ça. Non, c'est pas ça du tout. Oh non, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est? Non mais moi je... Ah oui! Eh bien c'est exactement ce que je voulais faire. C'est exactement ça qu'il fallait faire, c'est parfait. Hop là. Et on continue. Je perds de la vie pour ça? La déception. Ah mais parce qu'il y a de l'encre. Oh la déception de la perte de vie. Ah là il y a une ouverture. Bah non du coup. Oh non, je suis deg. Et j'ai plus de chat, du coup. Alors, c'est pas très grave, parce que là, je vais mettre ça. Hop. Et on va retourner faire ce que j'avais commencé. Putain, c'est trop bien, il y a trop de trucs à faire. Le kiff est absolument ultime de mon côté. Bonne chance pour cette étoile, j'ai chié du sang. Ah ouais? Je pense que oui, ça va être horrible. On va tester, on va voir. Bah, je suis juste allé tout droit. Je suis allé tout droit. En fait, c'est juste qu'il faut pas paniquer, quoi. Faut juste aller tout droit. Ou alors, tu parlais peut-être pas de celle-là, effectivement. C'est possible. Oh, j'ai envie de m'envoyer sur le phare, là-bas. Ok. Je peux m'envoyer... Oh non, j'essaye de m'envoyer dedans. Non, je pourrais jamais, c'est impossible. Dans l'arène là-bas. Je me tâte. Avec les plateformes? Non, je pense que c'est impossible. Pourquoi ça m'envoie pas? C'est beaucoup trop loin, Plessis. Ah oui. Hop. Ok, bon. Ah oui, les chats. Oui, c'est ça qu'on cherchait. Ah oui, merde. Voilà, je cherche les chats. Calme-toi, Plessis, calme-toi. Donc j'en ai ramené un. Elle est toujours aussi triste, c'est normal, il lui en manque deux, hein. J'ai entendu miaou. Ah mais non, mais c'était eux, je pense. On va faire tout le tour, du coup. Ah! Ok, un petit tanouki supplémentaire, pourquoi pas?
J'ai galéré à les trouver. Bah tant mieux, en vrai, vu que c'est un truc de recherche, tant mieux. Parce que si ça avait été que des trucs aussi simples que le premier qui était là, bon. Y'a personne ? Non, y'a personne. Ok. Je vais continuer. En fait, j'ai peur que les petits soient là-bas. Tiens, je vais aller là-bas. Je vais aller voir là-bas. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a vu. Est-ce que là-bas, mais le chat, il sait pas nager. Le chat, il a pas traversé quand même tout ça. C'est pas possible. Pas de chat à l'horizon. Je pense pas qu'il y ait de chat ici. Je vais me remettre ça, boum, hop. Pour garder le tanuki. Ça fait quoi ça? Le parc d'attraction, je vous dis, c'est le parc d'attraction. Nice! L'octogone sans règles a été gagné. Let's go! Merci Baba pour le 13e mois, Loxar pour le Prime, le Shaman pour le 9e mois, Iris pour le 5e mois, Krapoulux ouais, pour le Prime et Atrax pour le 6e mois. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc là, on a un deuxième truc à détruire, on y va de suite. Oula. Ah mais il est plus là le mur. Ah bah c'était ça le mur. Bah il a... Ah merde. Je me protège alors. Il est de l'autre côté. Pas mal. Il est fort. Il est bon. Il est de l'autre côté. On passe là. Je peux rien faire pour le moment, donc je l'esquive, il va repartir. Faut partir, monsieur. Ah oui. Bon bah ou alors je me déplace jusqu'à avoir un truc à casser hein, peut-être hein. Je vais voir. Putain, j'avoue, j'aurais dû faire ça avant. Ah, je peux passer par là, ok. Y'a pas un truc à casser. Ok, y'a des trucs à récup là. Je peux me protéger là. C'est des pics de Bowser. Il va repartir là. Oui, il repart. Ok, c'est bon. Écoutez, j'ai rien vu pour casser. Par contre, ce que j'ai vu, c'est l'entrée du ring ici. Donc, on ira tout à l'heure. Mais je cherche toujours les chats. Hein. Alors. Musique très apaisante, toujours. Ah bah. Putain, il y en a certains, c'est cadeau, hein, quand même. Ah oui, ok. Je me suis dit, non, Miyamoto, ceci est un troll. Bien joué. Bien joué, je me suis dit quand même, c'est... Pranked by Miyamoto. Ok. T'es sérieux, ça a disparu sous mes yeux, là? C'est vraiment ce qui vient de se passer, là? En sautant de là, est-ce que je pourrais rentrer par...
Aïe, putain, mais... Tiens, je vais aller voir ça. Il y a un truc sous ces blocs. Non, c'est littéralement des blocs qui volent. Ok. Il n'y a pas que les blocs qui volent. Attends, quoi, il y a plein de gens qui volent là. Et pourquoi vous volez tous là? Qu'est-ce que vous foutez? J'ai loupé une info là. Ok. Ah, il y a un parcours. Il y a un chemin. Il doit y avoir un système. Là ? Non. Non. Il doit y avoir un système, je pense. Ah. Oh. 3D head à 100%. Ok, d'accord, ok. Après, ça donne la route, hein. Je sais pas si c'est bien de les tuer. Je sais pas. Ils sont quand même intéressants hein, dans leurs informations. Ah. De toute façon, j'y suis. Non. Non mais ça va trop. Non? J'y crois pas en fait. Ok. Permettez-moi de douter ici, hein. Ok, d'accord. Ouais, mais ça suffit pas, parce qu'il faut quand même que j'y aille. Oh, l'angoisse! Vas-y, je vais tenter, c'est pas grave. Ah, j'ai découvert des trucs, là. Donc je suis obligé d'avoir chat ici. Oula. Alors, ok, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Ça. Oh, j'ai fait confiance, hein. Okay. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau. Non. Non. C'est des bons repères quand même. Hein. Je les tue, mais ça reste des bons repères. Hein. Ouais. C'est des très 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 bons repères. Attends, il est où le dernier? Ah oui, il est là-bas. Ok. C'est très 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 tendax. Je sais pas si je saute. Si, après j'y retourne hein, au pire. Non? T'es pas censé faire comme ça, mais bon. Bah après, c'est un peu aussi ce que j'aime moi dans les mondes un peu plus ouverts. C'est aussi la possibilité de faire comme tu as envie, quoi. Ça fait partie du jeu, quoi. Là, le truc, c'est que ça dégoûte. Je... Oula. Non. Ok, bon, vous savez quoi? Je vais aller chercher ça, déjà.
déjà. Premièrement, je fais ça. Et le deuxième, bah, je vais voir si je peux l'avoir autrement. Il m'en faut 40 hein, pour le combattre. J'ai aucune chance de le combattre là pour le moment. J'en ai quoi? J'en ai... Genre 22 28... Ah non, 28 ah, ça avance. Eh mais attendez. Il peut rien me faire là. Je suis tranquille, je suis à l'aise. Il peut me faire ce qu'il veut, je suis à l'aise. Attends. Je me demande ce qu'il va faire du coup, bah rien. La safe zone est parfaite. Le pauvre, il donne tout ce qu'il a. Peu cher. À l'aise. C'est super. Je vais en profiter pour remercier SimSim pour le 4e mois, Kenjiro pour le 21e mois, GXDice pour le 2e mois, le Rical pour le 2e mois, Zuberzayen, merci pour le 7e mois, Kajou pour le 10e mois, Neodrimi pour le 11e mois, Louis Delic pour le 6e mois, merci beaucoup. Allez, remerciements de sub en pleine attaque du personnage principal, c'est parfait en vrai, c'est parfait. L'insolence, bah, j'y peux rien, regardez, c'est... J'attends quoi. J'ai un peu de peine hein, pour le personnage, j'avoue. Allez, ça dégage, c'est bien. Merci mec d'être passé, merci beaucoup, c'était super. Merci Aurel pour le 17e mois et Siphon pour le 3e mois, merci beaucoup. Il est vexé, bah normal. Du coup, le dernier était là. J'ai envie de tenter un truc. Alors, je vais tenter une stratégie qui s'appelle une stratégie à l'américaine. Parce que j'ai grandi aux États-Unis pendant une bonne partie de ma vie. Ah, t'es sérieux? Par contre, mec, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Donc, tu vas refaire, s'il te plaît. Nice. Bon, bah, parfait. Ok. Bon bah voilà, ça c'est Validax. La prochaine fois que Bowser arrive, on lui fait détruire... c'était où? Là-bas, ça, voilà. Ce que vous voyez en face, là. Ça, on lui fait détruire, ok. Faut qu'on y pense juste la prochaine fois que Bowser sera... Il y a encore ça? Attends, c'est quoi ça? Ah bah c'est justement pour ça, bien sûr. Ok. Bizarre, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ce phare a une idée lumineuse à vous suggérer. Avez-vous déjà essayé d'utiliser un amiibo? Je m'en fous. Ok. On enchaîne. C'est super. Un petit amiibo? Un petit amiib pour la thune de Nintendo? Hop, hop, hop. Le phare placement de produits Nintendo. Bon alors. Ok, un petit peu de kawa. Merci Boon pour le Prime. Et Kara pour le 21e mois, j'avais même pas vu. Et à l'anonyme pour les 100 bits. Marco pour le 8e mois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Kara aussi pour la modération sur le chat, bien évidemment. Pour ton implication hein, sur la chaîne, bien sûr. Bien sûr. Ça va, bro? Ok. Alors oui, c'est ça. Ah oui, les chats, les petits chats. Ouais, non mais attendez, déjà, je suis en train de partir en cacahuète sur cette open world. Imaginez juste la sortie de Breath of the Wild. Ok, je prends ça.
Allez, on y va. Allez, on y va, on va voir maman. On a fait n'importe quoi. Tu sais nager ? Ben c'est maintenant. Je crois que je... Non, attendez. Il est... Ah mais il est là ! Ah non mais ça va ! En fait il a... Non mais d'accord. En fait il a une espèce de pouvoir assez particulier qui fait que si jamais il meurt, il réapparaît. Ici. En fait... Excusez-moi. Attendez, je vais tenter un truc. Ah mais il y a des plateformes ici, putain d'accord. Ok, il y a des plateformes, j'ai un... Hop, hop. Eh ben voilà, on va aller voir maman. Attends, viens. Attends, mec. Mets-toi là-haut. Ok, bon, super. Tiens. Maman ! Non, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois pas ta maman, là ? Ça, c'est ta maman. Ok. On y retourne. On y retourne de cette manière. Mais pourquoi ça marche pas, des fois ? Je vous jure, je fais la même chose, hein. Je tire sur le joystick, quoi. Ah, attendez. Et pourquoi le chat ? Ah non, ok. Oh, j'ai peur. Oh, je suis... Oh ! Ah. Sérieux ? Un combat exceptionnel. Il était invisible, j'ai failli le rater. Hein. Ah, ah oui, là c'est chiant par contre, j'avoue. Moi j'ai sauté dessus. Ouf. Elle est là. Ok. Quel fight, quel combat, c'est exceptionnel. Bon, c'était un des combats les plus durs que j'ai fait dans un jeu vidéo, honnêtement. Très franchement. Je pense que c'était un des fights les plus compliqués à appréhender de toute l'histoire du jeu vidéo. Ok. Je vais aller là. Ah, mais tombe. Très bien. On en a donc deux. Mais attendez, le bébé chat, il est peut-être coincé ici. Peu cher. Il est peut-être coincé... Oui. Chut. Ok. Je croyais entendre le bruit d'un petit chaton. Oh non. Ok. Il est là, je suis sûr qu'il est là. Il est quelque part sur les hauteurs, non ? Ok. Bon, ça, vous savez ce qu'il nous reste à faire, hein ? Merde, oh non ! Oh, l'animation, oh non ! Yes. On se protège ! J'ai eu peur. Ok. On va de l'autre côté maintenant pour aller casser le bloc dont on avait parlé tout à l'heure, ok ? Putain, cet open world est exceptionnel. The Witcher à côté, c'est très faible, quoi, en termes de d'open world. Ok. Il est où ? Je sais plus où il est. Ah, si, là. Lessie, à l'aide ! Oh, putain. Oh, la pression est monstrueuse, ici. Mais il a cassé, il a cassé. Attends, permets-moi de récupérer ça juste pendant que tu crashes. Ouais, excuse-moi, continue. Non mais continue, Bowser, de nous attaquer. Pendant ce temps, moi, je travaille. Pas de soucis.
Il est deg. Allez, ciao le naze. Bon. Ah mais ça avait coulé ça. Attends, ok. Penaud. Merci Uena pour le 13e mois d'abonnement, merci Lola pour les 100 bits. En parlant de chat, j'ai un chat qui s'est immiscé chez moi, comment je fais pour le sortir de là? Bah en vrai tu le portes et tu le mets devant la porte, hein. C'est rude mais c'est ça. Hein. En vrai faut vraiment le faire parce que... Faut vraiment le faire parce que après... Les... Ah non. Les vrais maîtres du chat peuvent le chercher quoi. Faut vraiment le faire en vrai. Ou alors même le chat il peut s'habituer à être chez toi, du coup il va revenir et ça peut être dur. Faut vraiment, ouais. Trop tard il t'a adopté, c'est trop tard. Il habite chez toi. Il est où le dernier bébé chat? Je vais retourner là-haut. Allez plus haut! Je vais retourner. C'est le chat qui t'adopte. Ouais, non mais en vrai... Bah moi, je vous ai déjà raconté même que c'est allé tellement loin cette histoire-là que mes voisins... J'ai vu le lapin, on ira plus tard. Ah mais il a tourné le machin. Que j'avais des voisins qui ont castré le chat de ma sœur. Vous vous rendez compte ou pas? Tellement ils s'occupaient du chat, ils l'ont castré. Vous vous rendez compte de cette situation? Ouais, je vous en ai parlé la dernière fois. Et ouais, parce qu'un chat, au bout d'un moment, s'il se sent bien quelque part, bah... Ah mais, ça a changé ici. Ok. Avec son consentement. Ah bah non, ni le consentement. Ah bah non. Ni le consentement du chat, ni de leur maître. Hein. Ah, ça sonne chez moi. Attendez, ça sonne chez moi, messieurs, dames. J'espère que Bowser n'attaque pas. J'arrive. À de suite. Rib la fonction pause. Ah mais moi j'aime bien avec la petite musique et tout. Alors. Ok. C'est Udia qui t'a acheté à manger. Non, c'était non, c'était un livreur pour un colis Amazon qui représente un pied de micro qui me servira sur le setup de la batterie. Si vous voulez tout savoir. Donc j'ai reçu un pied de micro. Nouveau pied de micro. Ah, je vais aller là-bas. Pour notre groupe de musique, bien sûr, Eva. Quoi? Mais je l'ai fait déjà? Ah, c'est un autre! Ah, mais c'est pas la même arène! C'est vraiment... Enfin, j'ai vu qu'il y avait modif... Ok, go. Déconne pas. Quoi? Tu pop sur moi, ok. Viens là. Boum. Oh, c'est une catastrophe, ok. Wendy... Aïe, Wendy. Bon, on commence à les connaître ces boss-là quand même. Ah oui, c'est Pom-Pom. C'est Pom-Pom. Encore un combat rudement mené. Je peux monter là? Ah, je sais ce que je vais faire. Oui, je vais faire ça. Hop.
Je monte ici. J'active ça. C'est génial. J'adorais les parents de mes potes quand on était plus jeunes, adolescents ou quoi, qu'on leur racontait des trucs, ils nous disaient mais c'est génial, vous faites tellement de trucs les jeunes, c'est génial. Putain, c'est tellement créatif, mais c'est génial. Même quand c'est à chien. On avait un groupe de musique, c'était inaudible. C'est génial ce que vous faites. Inaudible. Putain, c'est génial. C'est mignon, bah oui. C'est top. Stop ce que vous faites. Bah non, c'est immonde. Ah non, c'est top, c'est génial. En vrai, c'est immonde. Génial. Ok, il y a le lapin en bas. Au moins des parents qui encouragent. Non, mais bien sûr. Des amours. De toute façon, ouais. J'avais une batterie à la maison. Je vous cache pas que quand il y a la batterie à la maison, quand le minot, il est obligé de s'entraîner pour sa prochaine audition, je peux te dire que... C'est génial, hein. Ok. Ok. Ah non. Oh, tu me diras. J'ai une idée. Ah, il y a un truc là. Oh oui. Énorme. Let's go! Oh non, pourquoi tu tombes? Ok. Ah, protège-toi! Mais saute! Mais non, mais ça ne marche pas! Je vous jure que des fois, ça ne marche pas quand je m'envoie. C'est trop bizarre. C'est très très bizarre. Merci Baron de la Pisse pour le deuxième mois. C'est les meilleurs moments pour vous remercier pendant ces moments. Baron de la Pisse, merci pour le deuxième mois. Constelio, merci pour le Prime. Rokam pour le cinquième mois. Ashu, Nera pour le sixième mois. Mugito pour les 100 bits. Antagonas pour les 100 bits aussi. Antagonas pour les 200 bits du coup. Lola pour les 100 bits. En plus, je le vois souvent dans la rue. Souvent, il vient me voir pour taper la discute. Ah, le chat ? Bah là, il t'a adopté, c'est sûr. Hein. Il t'a adopté. Il va bientôt vouloir te castrer et te faire un tatouage. Tu vas pas comprendre. Hein. Attention, les chats prennent vraiment le dessus en général. Ok. Parfait. Merci aussi à Flashtar pour le 11e mois. Merci à Crow pour le 6e mois. Gaël Ophi pour le 3e mois. Mel pour les 100 bits. Comment s'est terminé le FC Silmi? Bon, je vais pas raconter pour ceux qui regardent les rediffs. Mais en vrai, c'était une très bonne session. J'ai adoré hier soir. Voilà. Merci Levia aussi pour le 3e mois et Daslo pour le 6e mois. Merci à vous. Bon, je trouve pas le bébé, hein. Oh non, oh l'enfer. Et mon pote. Ok, aucune idée d'où il est parti. Mais si, c'est bon. C'est trop chiant, putain, viens là! Viens ici que je t'attrape! La gueule! Viens ici que je te bute! Il va faire demi-tour. Non, c'est bon. Philippe! Non. Ah là. Ouah, attends, parce que moi, Plessis, j'ai pas. J'ai le contrôle technique est pas passé la dernière fois. Ça commence à être très compliqué, hein. J'essaye de cut, je sais où il va de toute façon. Poursuite du lapichou des ruines. Ok. Ah, faudra détruire ça tout à l'heure. Ok, c'est bon, on a un truc à détruire tout à l'heure. On peut continuer à chercher le chat sereinement. On a un truc à détruire, c'est parfait. Ah mais attends, est-ce que je peux... Non, je pense.
Qu'est-ce que tu fais, Plessis? Plessis, tu pars en cacahuète. Plessis, qu'est-ce qui se passe? Je te contrôle plus. J'ai l'impression qu'on se comprend pas. Qu'est-ce que tu fais? T'es super content. T'es super. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ok, c'est la joie. C'est la danse de la joie. Très bien. On est content. Super. Bah, profitons, profitons. Super. Oula. Tu peux envie de vomir, mais go go. Attends. Mais maintenant, lâche-moi! Bien ça. Très bien joué, ça, Pléplé. Ah, putain, ça glisse. Ah non. Non, mais attendez, ça glisse au sens propre, par contre. Mais attends, mais il y a un courant de fou, là. C'est moi qui bouge. Putain! Je me suis fait brain exactement comme quand il y a un train qui démarre à côté de mon train et que j'ai l'impression que c'est nous qui démarrons. Enfin, bref. C'est une classique, c'est une classique. Viens ici. Mais du coup, faut attendre. Ok, je pense que ça, c'est le bon truc, ouais. Putain, ça glisse de ouf. Ok, boum. Oh putain, j'ai cru que je l'avais raté. J'ai vraiment cru que je l'avais raté, ok. Super. Alors, qu'est-ce qu'on fout? Non, on va terminer cette histoire-là. On va monter dans le phare. Ah oui, il faut qu'on casse ça tout à l'heure. On retient, casser en bas du phare, ok? On retient, répétez après moi, casser en bas du phare. Enfin, pas du phare, de la tour. Oh, répétez pas. Qu'est-ce que... Plessis, garde-toi, fais comme... Voilà, t'es à l'aise. Merci Miyuki, merci pour le deuxième mois d'abonnement, Miyuki. Peut-être plutôt prendre un... ici, hop, boum. Je me retourne vers le chat, je vois tout le monde qui écrit cassé en bas du four. Quoi? Non, du phare. Ah. Ok. Ouais. C'est un peu cringe. Ah bah non. C'est bon. C'était cringe de ouf, mais c'est bon. Attendez. Oh le malaise. Oh c'est gênant. Non, disparaît pas. Putain. C'est hyper gênant. Ça fait quoi ça? Encore plus haut et ça? Ok donc, ok. Super. Octogone sans règle. Ça sera plus simple. Ah, ils sont deux. Plus les trucs au sol, ok. Ok, et ça reprend. Oh, ils sont trois. Ça le fait, messieurs, dames. C'est validé! Ça s'arrête jamais. Ok, bon, alors.
Casser en bas du phare. Casser en bas du phare. Tout à fait. Ah, mais je crois que ça servira à rien, parce que je crois que c'était juste pour passer, non? Ah, il repart? Eh ouais, le phare, forcément. Merci Omar Trois Pinces pour l'abonnement. Merci Shmamalo pour le 16e mois. Le studio de Jules pour le 5e mois. Et Sika0 pour le Prime. Merci à vous. Ah, mais c'est pour récupérer des thunes ici. Ok. Y a pas un chat coincé? Ah oui, non. Ah oui, non, non. Ah oui, non, si. Faut vraiment qu'on casse en bas du phare, par contre. C'est pas une blague. En bas du... Oui, en bas du phare. Attends, mais je vais où, là? Je peux partir ou pas? Merci Kodesh aussi, Kodesh. Je pense que ton annonce n'est pas passée parce qu'il y a pas... Des fois, il faut F5, ça met un message dans le chat et tout pour faire passer l'annonce. Ça peut bugger. C'est pas parce qu'on s'abonne qu'il y a l'annonce. Il faut vraiment faire apparaître l'annonce. Parfois, mais merci en tout cas. Bah, je sais pas où est ce dernier chat. Hein. Je sais toujours pas où est ce dernier chat. Là-bas, j'y suis allé, c'était très drôle. Est-ce qu'on peut refaire ce jeu d'ailleurs? Ah ouais, on va aller là-bas. Oh bah, Plessis toujours là. J'ai marché sur l'eau là? Attends, quoi? J'étais hyper à l'aise. Hyper à l'aise. Oh merde, j'ai tout cassé. Attends, Plessis. T'as vraiment tout cassé. Oh, oh non, alors que c'est le jeu trop marrant. Oh non. Non. Ah mais non, il y a plus là. Ah mais non, on peut tout casser. Vas-y, viens, 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 on casse tout. C'est bon. Regardez Plessis. Plus rien à foutre. Allez. Ça dégage. Hop. Hop là. Hop. Allez. On peut... Ok, donc maintenant même les arbres. Ok. Ok, donc cette zone, il n'y a plus rien. C'est une catastrophe. Mais super. Bon, bah parfait. Je ponce une fleur de l'ombre et je me rends compte à quel point ça me détend d'avoir ton stream en fond. Je me sens carrément moins seul en télétravail. C'est un pur plaisir. Merci, roi des fleurs. Bah, merci pour ce message. Du divertissement à l'état pur. Bon, où est ce dernier chat? Parce que je vois... Je vous rappelle une chose, c'est... Non mais... Plessis, ok. En fait, c'est ça le truc. Il manque un chat, là. Il manque un chat. Bon. Bon, retenons quand même ça. Ok. Pendant que j'avance. J'avance un petit peu. Qu'est-ce que c'était ça? On l'a fait ça, non? Non, attends, c'est quoi ça déjà? Waouh. Qu'est-ce que je fous? Oh, mais c'est autre chose. Mais on a tellement de choses à faire!
Attends, je suis où, là? Ah, mais ok, c'est l'accès pour... Oula, non, non, je vais trop vite, là. Non, non, je vais trop vite. Il faut que je vais revenir. Est-ce que c'était ça? Oui. Ouais, parce que là, c'est la promenade pour aller sur le... Peut-être la dernière île ou... Non. On repart. Rip le chat. Ouais, non, non. Excusez-moi. Merci, Draco et Co, pour le deuxième mois. Merci, Silitan, pour le septième mois. Weomi, pour le septième mois aussi. Pour le septième mois aussi. Emily Spencer, pour le deuxième mois. Et X, pour le sixième mois. Merci beaucoup. Xborax. Ok. Ça part de là. Gentle Joe, bienvenue, merci pour le Prime. Prime Gaming, bien sûr. Ah non, je t'ai tué. Comment je peux te tuer et perdre en même temps une... Mais quelle musique incroyable. Oh non, il arrive. Il arrive. Pile poil quand je suis là. Bon, je prends ça, ok. Voilà. Et je repars. C'était là-bas, hein, qu'il fallait qu'on aille. Plessis m'attend en bas, c'est sûr. Oh, leur coisse. Ok. Il est où? Let's go. Il va partir en plus du coup. Ce jeu a été pour moi et ma copine un bonheur du début à la fin. Si c'est un coup d'essai de la part de Nintendo, j'en veux encore. Ah pareil, je pense la même chose en vrai. Je pense exactement la même chose. Moi tu me sors un jeu comme ça avec une durée de vie de 40-50 heures, avec un monde ouvert comme ça, plein de choses à faire, à découvrir, des petits secrets à droite à gauche, des petits pranks de Miyamoto et tout. Ah, oh, je suis preneur de ouf. Merde. Ah oui, je peux détruire ça, ok. Mais je crois que ça... Ça, je crois que je peux le détruire avec ça. Boum. Tu as déjà fait Super Mario Odyssey. J'ai une petite dizaine d'heures sur Super Mario Odyssey. Mais en tout cas, on recommencera le jeu du début. Le prochain Let's Play Mario 3D, c'est Super Mario Odyssey. J'ai super hâte aussi de le redécouvrir, entre guillemets. Même si, en vrai, j'ai quasi rien fait, hein, au final. Le chat, moi toujours, je sais pas où il est, quoi. Il peut être en face. On y est allé déjà. Le nuage là où on l'a fait tout à l'heure, c'était un niveau bonus. On va continuer, je pense. Je vais continuer ce que j'avais commencé là-bas. Où est Plessis? 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 On a tué Plessis. Ah, c'est bon. On va aller tout là-bas. Je vais retourner tout là-bas. Non, t'as cassé le bloc, mais non. Non, Plessis, je te trouve extrêmement violente, Plessis.
Il va falloir se calmer, hein. Tu as cassé le bloc. Tu casses tout, hein. Moi, j'ai plus d'items après. Octogone sans règle. C'est juste un carré. Ok, je détruis tout. Ah, tout est détruit ici. Là, là, hop. Hop, tout est détruit. Hein. Ah, non, pas tout. Hop, tout. Validax. Combat mystère sur la glace. Un combat exceptionnel. Allumage de la lumière du phare. Très bien. Ah oui, c'est vrai, putain. C'est vrai, pardon. On était dessus. Merci hein, pour le backseat, bien sûr. Je vous remercie toutes et tous. Ça régale, c'est super sympa. Super agréable. Super cool. Comment je peux... Je vais changer, je pense, de... Faut que j'allume cette lumière ? Attends, mais... Non mais j'y retournerai, hein, vu que vous m'avez tous backseat. Pas tous, mais... Vu que vous m'avez backseat, j'y retournerai, ne vous en faites pas. Je crois avoir compris que j'avais raté un chat. Hein. Il me semble. Hein. Je vais reprendre ça. Quoique... Ah oui ? Maintenant ? Ou je... Non, on va profiter de tout. Oh ! Ok. Ok. Maintenant dans l'intervalle ! Est-ce que je peux aller plus haut que... Oui, je pense. Ok. Je fais n'importe quoi, c'est énorme. Ok. Musique magnifique, très sympathique. C'était quoi le chemin legit tout à l'heure que j'ai pas pris du coup ? Salut Ultia d'ailleurs, je t'avais pas vu. Oh non, il revient. Ah oui, j'ai un truc à casser, non ? Merde. Attendez, j'ai un truc à casser, je crois. Non. C'est pas grave, je vais continuer ça.